sortent dehors. Sur chaque étage, quelqu'un du bureau porte fièrement un dossard. Et se croit dans l'année, tout le monde dans l'escalier. Arrivé dehors, essoufflé comme un petit vieux, je me dis vraiment qu'il faudrait que je fasse plus d'exercices de feu. C'est le cap. J'avais pas fait que je l'ai inventé. Valérie Proust, ce n'est pas ton nom. Bon, regarde. T'es quand même les yeux pleins de questions. Valérie Proust, ce n'est pas ton nom. J'étais certain qu'un jour nous ririons de ce moment. En bas même dans un chalet, en boirons avec nos enfants. Y'a un couple d'amis. J'arpente les corridors et fais des détours d'ascenseur. Chaque étage est rempli d'espoir et de doute que tu travailles peut-être ailleurs. J'envoie même des courriels avec ton petit nom, avec ton visage. Auparavant, j'avais toujours hâte de quitter le bureau. Maintenant, chaque soir, quand j'embarque sur mon vélo, j'ai le cœur gros. C'est le cœur d'aille d'enfoncer dans mon bus et carrer ton auto. Moi j'ai été entouré par des ambulanciers. L'un d'eux m'a souri et m'a tendu un message sur un bout de papier. Valérie Proust, ce n'est pas ton nom. Avec ton numéro 8-2-X, écrit au crayon blanc. Valérie Proust, ce n'est pas ton nom. Avec ton numéro 8-2-X, écrit au crayon blanc. De ce moment, en bas même dans un chalet, en boirons avec nos enfants. Valérie Proust.